D'abord, avant que vous ne pétiez littéralement un câble sur votre clavier à la vue du titre de cette vidéo, un petit peu de remise en contexte est nécessaire. J'ai passé tout l'automne et le début de l'hiver au Québec pour les besoins de mes études, sans mon PC. Enfin si, j'avais un PC portable, mais sans carte graphique ou quoi que ce soit. Et c'est aussi le moment où j'en ai profité pour construire ma nouvelle tour, pour remplacer l'ancienne qui commençait un petit peu à se faire vieille, faut bien le dire. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à sa construction, c'est plutôt cool. Mais une fois que la tour fut commandée, je me suis demandé quel jeu j'allais bien faire tourner. Et là, j'ai regardé mon compte en banque et j'ai commencé par chialer un coup. Ensuite, j'ai mangé des pâtes pendant un mois ou deux, puis j'ai continué mes recherches. Parce que oui, si je me suis acheté une grosse machine, c'est aussi pour jouer à des gros jeux, demandant de la ressource. Parce que Overwatch à 300 FPS, c'est cool, mais c'est un petit peu comme si je jouais à Minecraft sur un ordi de la NASA. C'est un petit peu dommage. Du coup, il me fallait un jeu intéressant de mon point de vue, sur lequel on peut dire des trucs en vidéo, et qui possède quelques évolutions au fil du temps. Mais pas trop quand même, parce que je fais pas ça à temps plein. Après pas mal de recherches, je me suis dit que les AAA classiques des grosses boîtes étaient soit trop éphémères, soit trop bardés de DLC à outrance, soit trop à découvrir par soi-même, ou même trop dépendants des anciens opus. Il me fallait vraiment un jeu où beaucoup de choses étaient encore à découvrir, ou à venir. Puis je me suis souvenu d'un jeu qui faisait régulièrement polémique depuis son Kickstarter réussi en 2012, et qui allait aussi avoir sa convention annuelle dédiée dans les jours qui venaient. Ce jeu, c'était Star Citizen. Jusqu'alors, je n'avais jamais pris le temps de m'arrêter vraiment sur le jeu. Tout ce que je connaissais de lui, c'est que c'était un jeu d'exploration spatiale assez poussé, aux ambitions beaucoup trop grosses, et qui trouvait régulièrement le moyen de faire crasher les joueurs au bassinet alors que le jeu n'était même pas sorti. Donc en gros, j'étais au niveau 0, c'est-à-dire le mec qui ne fait que lire des articles à clic sur jeuxvideo.com et les commentaires particulièrement éclairés. Mais je me suis dit que j'étais quand même un idiot et que juger sans prendre connaissance, c'est un petit peu être un connard, et que la réalité était sans doute bien plus complexe que ça. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis allé à la pêche aux informations. D'abord sur le site officiel, puis sur le site francophone, avec une communauté finalement très active, bien que pas très nombreuse. Et j'ai compris pas mal de choses. Mais d'abord, faisons un petit tour d'horizon un peu plus en profondeur du jeu. Ça ne fera pas de mal. Star Citizen est donc un jeu de simulation spatiale, lancé par Chris Roberts, le papa des Wing Commander, via un Kickstarter réussi demandant 2 millions, lancé en 2012. A l'origine, le jeu devait être très peu poussé dans la simulation, dû à un budget certes élevé sur la scène indépendante, mais finalement assez peu pour un jeu de ce calibre, dans le genre d'Elite Dangerous. Mais suite à la mise en place d'un système de funding sur le site officiel, permettant d'avoir un accès au jeu en échange de quelques euros, les fonds du jeu ont littéralement explosé, dépassant rapidement les 100 millions de dollars. Face à un tel afflux d'argent, Chris Roberts et son équipe ont revu leurs ambitions à la hausse. Le jeu final intégrera donc la possibilité de se balader en extérieur de son vaisseau, d'exercer de nombreux métiers changeables à loisir, de miner, de jouer au coursier, au contrebandier, de se poser sur des planètes immenses sans temps de chargement, d'effectuer des missions, de piloter de nombreux vaisseaux différents, bref, de vivre une vie de citoyen du futur, un gros rêve pour beaucoup de gens. À côté de cela, avec une partie de l'argent récolté, est développée une campagne solo vraiment ambitieuse dans l'immersion elle aussi, Squadron 42, sous la forme d'un jeu standalone que vous pouvez choisir d'acquérir ou non. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le projet est particulièrement ambitieux, surtout qu'il n'est chapeauté par aucun gros studio. Pas Blizzard, pas EA, pas Ubisoft, rien. Mais donc, quel est le problème, me direz-vous? C'est bien, finalement, de ne pas être sous pression d'un éditeur pour un jeu indépendant avec un tel budget. Et ben malheureusement, il y en a quand même pas mal. Commençons par enfoncer les portes ouvertes. Oui, le jeu n'a pas énormément avancé depuis son commencement. Mais il y a de nombreuses raisons à cela. D'abord, bien évidemment, un projet pareil, ça se met pas en place comme cela. J'ai vu de nombreuses personnes dire qu'avec 170 millions de dollars de budget, le jeu devrait être plié. C'est complètement con, parce que si on suit un tel raisonnement, il suffirait de dire à nos dirigeants de bourrer quelques milliards dans la recherche sur la fusion nucléaire, et dans 2 ans, la crise énergétique devrait être résolue, hein ? Les 2 premières années ont été compliquées pour CIG, la boîte de Chris Roberts, qui développe le jeu. Il a fallu recruter du personnel compétent, des managers pour gérer les 400 personnes, mettre en place des plans de route, bref, ils sont passés d'une petite équipe de type un peu lambda
à une boîte de plusieurs centaines de personnes. Et ça se fait pas en un jour. Et c'est d'autant plus compliqué que quand vous vous levez chaque matin, vous remarquez que votre projet a gagné 1 million de budget. C'est cool, mais en même temps, pour prévoir des trucs à la longue, c'est vite compliqué. Donc en fait, le développement a vraiment commencé en 2014, voire même en 2015, tellement c'était le bordel. Et effectivement, quand on regarde ce qu'on a maintenant par rapport au moment où ça a vraiment commencé, on peut se dire que c'est un peu pauvre. Mais en fait, vraiment pas tant que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, le jeu est en alpha. Mais je parle de vrai alpha. Pas des alphas comme on entend maintenant, ou les early access, ou les bêtas qui sont en fait des démos. Non, une vraie alpha. Le terme alpha a été vraiment galvaudé depuis une dizaine d'années par les journalistes de jeux vidéo et par la scène indépendante qui l'utilise un peu à tort et à travers. Ça ne veut plus rien dire. La phase d'alpha, dans le développement d'un jeu vidéo, c'est la phase où on teste des trucs, où on code tous les éléments que le joueur ne verra pas, mais qui permettront de gagner du temps par la suite. On crée les IA, les éléments du moteur, où on teste le gameplay de base. Mais ce n'est pas du tout le moment d'optimiser, de créer du contenu jouable. Et cette phase peut être très longue. Car dans un projet informatique, pas juste dans le jeu vidéo, si cette phase est bâclée, ajouter des éléments par la suite est infernal, voire impossible. Pour avoir eu l'occasion d'expérimenter ce genre de problème sur des projets d'apparence simple, c'est-à-dire à peine 5000 lignes de code grand max, je peux vous dire qu'un projet de cette ampleur, ça ne se fait pas à la légère. Donc moi, ça me choque pas tant que ça, l'état du jeu actuel. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, nous sommes au courant de l'existence du jeu depuis son annonce, alors même qu'aucune ligne de code n'a été écrite. GTA V est sorti en 2013, son développement semble avoir commencé en 2008, et sa première annonce comme quoi il était en développement était en 2011. Donc entre le début de son développement et sa sortie, il y a eu 5 ans, mais le public n'a été au courant que pendant 2. Et je suis à peu près sûr que GTA 6 venait de commencer son développement au moment où GTA 5 est sorti, soit il y a déjà 5 ans. Et je rappelle que GTA 6 n'a pas encore été annoncé, ce qui veut dire, quand on regarde les annonces et les sorties des GTA, qu'il ne sortira pas avant au moins 7 ans de développement. Autre exemple, Overwatch est sorti en 2016, avec une annonce au public en 2014. Son développement a commencé en 2013, et il est issu des ruines du projet Titan dont on ne connaissait l'existence que depuis 2007. Donc il y a eu à peu près 9 ans entre la sortie du produit fini et le début du projet. Même si CIG sait quelle direction prendre par rapport à un jeu beaucoup plus flou dans sa direction comme par exemple le projet Titan, ça prend du temps quand même de faire un jeu. C'est pour vous dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des informations sur des jeux de cette ampleur avant qu'ils n'aient fini leur phase d'alpha, soit au bout de plusieurs années. Star Citizen est obligé de le faire parce que bon, on aurait l'impression que les types se barrent avec notre argent pendant 10 ans, pas super agréable, mais au moins dans cette situation, CIG est obligé de faire des améliorations d'optimisation et de mieux communiquer sur leur roadmap. C'est un développement dit en boîte blanche, et c'est vrai que ça peut donner l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance quand même. Il faut dire que c'est un peu des cons parfois chez CIG. Ils se sont emmerdés pendant des années avec des deadlines intenables qui ont clairement nui à leur image. Du coup, cette année, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont dit, on met une sortie chaque trimestre, et ce qui est fini au moment de la release, il sera, et sinon, il y sera pas. Comme ça, au moins, pas d'emmerde, et c'est clairement mieux. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut mettre un petit peu les choses en contexte avant de se plaindre d'un développement trop lent. Maintenant, parlons pognon. Alors, on va couper court aux rumeurs maintenant. Non, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir jouer au jeu correctement. Il vous suffit d'acheter un des packs de base à 50€ avec soit un Mustang Alpha, soit un Aurora et un accès au jeu. Si vous voulez l'accès à Squadron 42 en plus, il vous faudra raquer un petit peu plus. C'est cher. Très clairement, c'est pas donné du tout, surtout dans l'état actuel du jeu. En plus, si vous payez en fait à l'heure actuelle, c'est pour aider au débugage et au développement. Il y a des outils qui ont été mis en place par les développeurs pour aider au développement et c'est fait pour. Si vous voulez seulement jouer au jeu et en profiter, très clairement, c'est pas le bon moment. Parce que c'est cher et en plus de ça, parce que le contenu est pas très grand. Effectivement, il n'y a pas grand chose à faire et il faut des sacrées bécanes pour pouvoir le faire tourner. D'autant plus que à l'heure actuelle, ce que vous faites, c'est vous payer pour faire le boulot d'un testeur dans les grosses boîtes. Vous savez, ce genre de personnes qui font 8 heures par jour, les tests sur chaque brin d'herbe, chaque feuille d'arbre, chaque petit truc de l'environnement, ceux qui testent à longueur de journée. Bah c'est nous,
Tout simplement. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez juste profiter du jeu sans souci, ou alors tout simplement payer et ne pas vous en soucier avant la sortie du jeu. Mais c'est effectivement plus cool d'aider, vous pouvez report les bugs, tout ça, c'est important. Côté argent toujours, il y a aussi le problème du fait que l'argent n'est pas toujours investi dans ce qui est important au premier abord. Ils sont en train de créer entièrement une nouvelle langue pour l'univers du jeu. Ça coûte un petit paquet d'argent, et honnêtement, c'est pas le plus urgent. C'est vrai que ça peut faire un peu grincer des dents. Encore, engager Andy Serkis, le roi de la motion capture, ou Mark Hamill, à prix d'or pour jouer dans Squadron 42, je veux bien. Si le jeu doit être immersif, autant que les PNJ le soient à fond. Mais pour la langue, ils auraient pu se contenter d'un truc à la Skyrim, où des mots sont inventés pour remplacer l'anglais, et l'alphabet aurait pu être un simple remplacement de l'alphabet romain, quitte à l'étoffer vraiment plus tard. Mais ce qui pose le plus de soucis, c'est le fait que tous les vaisseaux sont disponibles à la vente contre monnaie sonnante et trébuchante. De quelques dizaines d'euros à plus de 400 balles pour certains. Ouais, c'est méga cher. Mais non, ce n'est pas pay to win. Déjà parce que ça a été dit et répété, mais l'achat contre de l'argent réel des vaisseaux disparaîtra avec la version finale. Et vous pourrez acheter des vaisseaux contre de l'argent du jeu. Mais aussi parce que avoir un gros vaisseau ne fait pas tout dans le jeu. Très loin de là. C'est même plutôt idiot d'avoir un vaisseau de plusieurs centaines de mètres de long, mais d'être tout seul pour le piloter et de ne pas pouvoir s'en servir ou le protéger correctement. D'autant plus que dans la version finale, les vaisseaux détruits sans assurance seront perdus. Ce qui est encore plus con, surtout si vous l'avez payé contre de l'argent. Donc le cash shop, il sert surtout à aider au développement du jeu. Et pour être très honnête, les packs de base suffisent amplement pour profiter du jeu. Mais je suis complètement d'accord, CIG communique très mal sur son modèle de financement. Et les rumeurs fumeuses ne sont pas parties pour rien. Les prix sont prohibitifs et peuvent donner l'impression de prendre les joueurs pour des pigeons. Mais en même temps, c'est comme pour tout, rien ne vous oblige à acheter. Et l'annonce de la vente de parcelles de terrain contre de l'argent n'a clairement pas aidé. Là, pour le coup, je ne suis pas hyper d'accord avec la façon de faire de CIG. Mais cela ne rend pas le jeu pay to win pour autant. Parce que ce que vous pouvez acheter, c'est juste un papier qui vous permet de revendiquer un terrain. Mais vous devrez vous démerder pour trouver le terrain à enregistrer. Cela vous économise juste de l'argent du jeu. Après, est-ce que le cash shop disparaîtra entièrement à la fin du jeu ? Je ne pense pas. Très clairement, je pense qu'ils vont proposer des skins à la vente ou ce genre de choses pour pouvoir financer les serveurs, les mises à jour, ce genre de choses. Donc clairement, concernant le rapport à l'argent et Star Citizen, tout n'est pas vrai dans les rumeurs et dans ce qu'on peut lire dans la presse spécialisée. Mais tout n'est pas rose pour autant. Un autre gros problème soulevé par pas mal de gens concerne la technique. À la base, Star Citizen devait tourner sur le CryEngine. Mais c'était le cas uniquement au moment où le jeu était un petit projet indépendant à 2 millions de dollars. Maintenant, le moteur ne tient plus du tout la route et les équipes de CIG ont tellement trifouillé le code que selon eux, moins de 50% du code est d'origine. Et quand on sait quelle gueule peut avoir un moteur de jeu vidéo dans l'industrie, on sait à quel point ils ont dû taffer dessus. Et c'est en partie pour ça que le jeu a pris pas mal de retard. Du coup, ils sont obligés de prendre pas mal de temps pour réaliser des outils, qu'ils soient graphiques ou structurel, pour gagner du temps par la suite. Credo du développeur, se faire chier pour être flemmard. Et faut bien avouer que les démonstrations techniques qui ont eu lieu lors de la CitizenCon de 2017 vendaient clairement du rêve. Les types de chez CIG ne sont pas des tanches. Ils ont vraiment réussi à faire des outils de génération procédurale du tonnerre pour aller considérablement plus vite sur tous les tableaux. Mais pour éviter les ratages à la No Man's Sky, les artistes repassent à la main sur ce qui a été généré pour réaliser des affinages, placer des points d'intérêt, etc. Donner de la vie à l'univers, quoi. We go to our editor, we load that flow graph, then we give it a deterministic seed, and click OK, and the tools go ahead and build that environment for us. So now, an artist... Mais du coup, étant donné la date de sortie particulièrement incertaine du titre, on peut se demander si le jeu ne sera pas techniquement obsolète à sa sortie. Perso, je penche pour un passage en bêta dans 4 ans et le jeu final dans 6 ans. À peu près. C'est vrai que dans le monde du jeu vidéo, voire même dans le monde de l'informatique en général, les technologies avancent très vite. Mais si CIG a bien fait son truc, normalement ça ne devrait pas te poser de problème. Parce que dans les projets aussi longs, c'est assez récurrent que les nouvelles technologies soient mises en place au fur et à mesure pour remplacer les anciennes bases. Mais surtout, je ne pense pas que de nouvelles technologies viennent de l'extérieur pour aider Star Citizen. Tout simplement parce que vu le climat de non-prise de risque actuel de la part des gros studios,
je doute que qui que ce soit essaie de se lancer dans un clone de Star Citizen. Bon, il y a bien Elite Dangerous qui essaye de faire un truc, mais ça ne ressemble pas vraiment à Star Citizen. Le résultat final est quand même très différent. Maintenant, parlons des ambitions de Chris Roberts. Là, on entre dans un terrain assez subjectif, donc finalement, tous les avis sont justes. Mais il convient d'en parler. Les ambitions de Monsieur Roberts sont titanesques. Il a prévu des choses vraiment balèzes qui n'ont jamais, ou très mal, été faites à l'heure actuelle. Est-ce que toutes les promesses vont être tenues ? À titre personnel, je ne pense pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le jeu sera de la merde. Si ils sont capables de faire ne serait-ce que la moitié de ce qui est prévu, on sera déjà face à un jeu qui est vraiment, vraiment balèze. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des nouveaux prophètes, des voyants qui pensent qu'ils détiennent la vérité absolue, et je ne l'ai bien évidemment pas non plus cette vérité. N'oubliez pas d'être toujours critique, mais en recherchant par vous-même des informations sûres. Et qu'ils passent leur temps à dire que le jeu c'est de la merde, qu'il n'est pas optimisé, qu'ils sont là pour vous voler votre pognon, etc. Tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Ce jeu n'est et ne sera pas pour tout le monde. C'est un fait. Et je ne le recommanderai pas du tout à tout le monde. C'est un jeu de simulation au sens strict du terme. C'est-à-dire avec des trucs qui font réaliste, mais pas du tout jeu vidéo, ni ergonomique. Dans un jeu vidéo classique, on ne se ferait pas chier avec les transports entre les planètes. Un coup de fast travel et hop, t'es arrivé. Ici, non. Il faut avoir assez de carburant spécial pour faire un saut suffisamment loin, ce qui peut prendre longtemps pour certains voyages. Et quand je dis longtemps, ça peut être 10 minutes, voire plus, avec parfois des étapes. Après, il faut aller se poser sur l'endroit voulu sur la planète sans s'écraser. Ça prend 10 minutes à vitesse d'escargot. Si c'est un endroit gardé, il faut demander la permission d'atterrir au bon endroit, sinon on est considéré comme hors la loi. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Star Citizen est un jeu de niche avec un budget et des ambitions dignes des plus gros AAA des autres studios. C'est normal que ça fasse peur, mais il ne faut pas le considérer comme un AAA normal. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous attendre à des choses comme le dogfight à la Star Wars très arcade, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le jeu ne ressemble à aucun autre, il est lent, complexe, pas forcément axé sur le combat, et sans doute autant chronophage que l'était WoW à la grande époque. Même si Chris Roberts a assuré vouloir donner un gameplay pour les joueurs du dimanche comme pour ceux qui peuvent y investir 6 ou 7 heures par jour, personnellement, je pense que le jeu ne sera appréciable que à partir du moment où vous y investissez pas mal de temps, des périodes assez longues, que ce soit une ou deux heures minimum par jour. Voilà pourquoi j'ai envie de suivre le jeu. Je sais à quoi m'attendre. Mon rêve, c'est de parcourir l'espace à la découverte de nouveaux endroits, de miner des astéroïdes perdus, de faire du transfert de fret, des trucs que je sais qu'ils sont réalisables. Le minage est d'ailleurs le métier qui arrivera dans la mise à jour de juin. Donc, pour moi, ça va, mes attentes seront assez vite comblées. Mais il faut pas non plus trop se faire des films, et imaginez des trucs complètement dingues, vous risquez d'être déçus. En fait, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire d'acheter le jeu. Honnêtement, celui-ci est hyper buggé, pas optimisé du tout, et vous avez assez vite fait le tour du contenu, car on est toujours en alpha technique. Et sans doute pour un bout de temps. C'est surtout pour réhabiliter en quelque sorte le jeu. C'est devenu un truc un peu facile pour les soi-disant journalistes et autres experts du dimanche que de pondre un énième article sur un sujet qui relance la polémique entre les types qui pensent tout connaître du jeu et détenir la vérité. Star Citizen n'est pas un foutage de gueule là pour vous voler votre fric, mais ce n'est sans doute pas non plus le jeu parfait sur tous les plans. Je vous conseille simplement de vous renseigner par vous-même avant de faire quoi que ce soit, c'est mieux. C'est valable pour Star Citizen mais aussi pour plein d'autres choses. Ça peut sembler basique, mais beaucoup de gens oublient. Si vous pensez que le jeu ne vous plaira pas, très bien, ne l'achetez pas. Personne ne vous en voudra, en tout cas, moi je vous en voudrais pas. Si vous pensez que le jeu ne propose pas assez de contenu pour l'argent que vous voulez y mettre, ne l'achetez pas non plus, il disparaîtra certainement pas avant demain. Si vous pensez au contraire que vous avez envie d'aider le développement ou de jouer au jeu, bah allez-y. À partir du moment où vous êtes bien sûr sûr de vous et que vous avez bien compris quels sont les enjeux du jeu et qu'est-ce qui est possible à l'heure actuelle. De mon côté, j'aimerais beaucoup voir ce que va donner ce jeu. L'univers titanesque promis me donne vraiment envie. Il y aura sans doute plein d'endroits où personne ne sera encore allé et j'ai vraiment envie d'explorer. Et puis même, c'est une vraie prise de risque, avec au moins pour une fois aucune question de budget ou d'actionnaire voulant faire des ventes à tout prix pour entraver la direction du jeu. C'est pour ça que je vais continuer de le suivre de près et vous proposer des vidéos sur différents sujets provenant du jeu.
voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas vraiment parlé du contenu du jeu en lui-même à l'heure actuelle, tout simplement parce que je voulais mettre les points sur les i d'abord, avant de pouvoir parler correctement du jeu. J'espère aussi n'avoir rien oublié concernant les problèmes majeurs autour du jeu. Bon, évidemment, il y a quantité d'autres petits problèmes, mais j'ai essayé de tout regrouper dans des plus gros paquets, histoire de pas faire une vidéo exhaustive et trop longue. Je vous laisse aussi mon référal code dans la description de la vidéo. C'est un code qui sert à un système de parrainage. Bon, ça donne des bonus à tout le monde, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie d'acheter le jeu à la suite de cette vidéo, pourquoi pas. Honnêtement, je m'en fiche un peu, mais voilà, il y est. Si vous le voulez, il est en dessous. Sur ce, je ne vous embête pas plus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !